Un nouveau virus, appelé coronavirus, provoque une maladie appelée la COVID-19. Le coronavirus s'attrape facilement et se propage dans le monde entier. La COVID-19 peut être grave et affecter la respiration. Elle peut provoquer une infection pulmonaire grave. Il est important de vous protéger, de protéger votre famille, de protéger votre communauté. Tout le monde peut attraper la COVID-19 et beaucoup de gens guériront. Mais les gens plus âgés ou qui ont des problèmes de santé préexistants sont plus à risque de tomber gravement malades s'ils attrapent la COVID-19. Les personnes en situation de handicap sont vulnérables comme tout le monde. Vous, votre famille et toute votre communauté devez prévenir la propagation du virus et vous soutenir mutuellement. Et surtout, faites circuler l'information. Il peut y avoir beaucoup de rumeurs et de stigmatisation en cette période où les gens ressentent beaucoup d'anxiété. Cette maladie est l'affaire de tous. Les personnes âgées ou ayant des problèmes de santé existants doivent prendre les précautions suivantes. Rester à la maison et maintenir le plus possible de distance avec les autres pour éviter d'être infectés. Rester à l'écart des personnes extérieures à leur foyer. Se laver les mains souvent avec de l'eau et du savon pendant plus de 20 secondes ou utiliser des désinfectants pour les mains à base d'alcool. Si elles ne se sentent pas bien et soupçonnent qu'elles pourraient avoir la COVID-19, elles doivent contacter le centre de santé le plus proche pour obtenir des instructions sur les mesures à prendre. Restez prudent. Faites la différence.